Bonjour à tous. Dans le dernier cours, vous avez appris à connaître les menus fichiers et éditions. Dans le cours d'aujourd'hui, vous allez découvrir certaines parties des menus affichage et insertion. Avant de commencer le cours d'aujourd'hui, nous allons réviser ce que nous avons appris dans le cours précédent. Pouvez-vous dire comment faire apparaître une nouvelle diapositive? Pour faire apparaître une nouvelle diapositive, vous devez faire un clic droit sur le volet des diapositives, puis cliquer sur l'option « Nouvelle diapositive ». Une nouvelle diapositive s'affichera. Pouvez-vous dire ce qui se passe avec la fonction Rechercher et remplacer? Avec Rechercher, vous pouvez trouver un mot dans votre paragraphe et avec Remplacer, vous pouvez le remplacer par un mot de votre choix. Pouvez-vous dire ce qui se passe avec Dupliquer? Avec Dupliquer, vous pouvez faire plusieurs copies d'une même image qui seront exactement comme original. Savez-vous ce qui se passe lorsque vous supprimez une diapositive? Vous pouvez supprimer n'importe laquelle de vos diapositives avec Supprimer la diapositive. Maintenant, allumez tous vos ordinateurs et ouvrez le fichier d'Impress. Apprenons comment ouvrir le document d'Impress par son icône sur le bureau de l'ordinateur. Sur le bureau, vous pouvez voir les différentes icônes de raccourcis de différents fichiers et dossiers. Ici, vous pouvez voir l'icône d'OpenOffice. Double-cliquez sur cette icône. Une boîte apparaîtra avec les différents composants d'OpenOffice, comme texte, classeur, présentation, désigne, base de données, formule, etc. Puis, cliquez sur le composant présentation. Une autre boîte de type de présentation apparaîtra. Ici, vous pouvez choisir le type de présentation à ouvrir selon votre choix. Il y a trois boutons radio. Le premier bouton radio signifie la présentation vierge, où il n'y a aucun désigne. Le document sera tout vide. Si vous voulez ouvrir ce type de présentation, il faut cliquer sur le bouton Créer. Ensuite, la deuxième option, à partir d'un modèle, indique le document de présentation avec des modèles prédéfinis. En y cliquant, vous pouvez voir les différents modèles dans la boîte de présentation. Vous pouvez aussi voir son aperçu. Vous pouvez cliquer sur n'importe quel modèle que vous voulez utiliser. Après avoir le sélectionné, vous pouvez cliquer sur le bouton Créer. Ensuite, la troisième option, Ouvrir une présentation existante, vous permet d'ouvrir la présentation qui déjà existe dans votre ordinateur. En y cliquant, vous pouvez voir le bouton d'ouvrir pour ouvrir la présentation existante. Alors, vous pouvez sélectionner n'importe quel type de présentation à ouvrir et à travailler selon votre besoin. Après avoir sélectionné l'une des trois types, cliquez sur le bouton Créer. Voilà, ça ouvrira le document de présentation, comme vous pouvez voir en vidéo. Alors, c'est comme ça
Nous pouvons ouvrir le document de présentation dans Impress. Venez, nous allons commencer le cours d'aujourd'hui. Avez-vous été capable d'ouvrir votre fichier d'Impress? Sinon, regardez à nouveau la vidéo et ouvrez le fichier d'Impress. Voyons ce que vous allez apprendre dans le cours d'aujourd'hui. Dans le cours d'aujourd'hui, vous découvrirez les options du menu affichage telles que Normal, Plan, Trieste de diapositives, Diaporama, Page de prospective, Page de notes, Barre latérale, Volet diapositive, Barre d'outils, Gris, En-tête et pied de page et zoom. Vous découvrirez également certaines des options du menu Insertion, comme Diapositive, Numéro de page, Champ et Hyperlien. Vous découvrirez également la galerie Fontwork. Tout d'abord, vous devez tout insérer 4 diapositives vierges dans votre fichier. Découvrons maintenant la galerie Fontwork. Pouvez-vous nous dire ce qu'est la galerie Fontwork? La galerie Fontwork est une conception de police qui vous permet de convertir votre texte écrit dans son style. En regardant l'image présentée, pouvez-vous dire comment vous allez réaliser cette police? Cette conception peut être réalisée à l'aide de la galerie Fontwork. Regardons maintenant la vidéo et apprenons-en plus sur l'utilisation de la galerie Fontwork. Apprenons comment utiliser l'option Galerie Fontwork dans un fichier d'Impress. Cette option rend le texte en style 3D. Tout d'abord, créez 4 nouvelles diapositives vierges comme montré en vidéo. Ensuite, sélectionnez la première diapositive. Puis, cliquez sur l'option Galerie Fontwork dans la barre de dessin. Une boîte de Galerie Fontwork apparaîtra. D'ici, vous pouvez sélectionner n'importe quel style de Fontwork. Ici, vous pouvez voir les différents styles. Ensuite, cliquez sur OK. Voilà, le style Fontwork est inséré en page. Puis, cliquez à l'intérieur de la boîte de transformation pour y taper. Maintenant, tapez Computer Shiksha. Et cliquez n'importe où dans la page. Voilà, Computer Shiksha s'apparaît dans le style que nous avons sélectionné. Vous pouvez aussi modifier sa taille en utilisant la boîte de transformation comme montré en vidéo.
Ensuite, cliquez sur l'option dans la petite boîte de paramètres 3D. Cette option s'appelle Couleur 3D. Une palette de couleurs apparaîtra, d'où vous pouvez sélectionner la couleur d'extrusion de votre choix. Voilà, la couleur d'extrusion est changée. Ensuite, vous pouvez aussi changer son orientation dans la même boîte. Puis, augmentez la largeur de ligne et sa couleur en orange, comme montré en vidéo. Puis, changez son style de remplissage en purple pipe. Vous pouvez sélectionner n'importe quel style de remplissage de votre choix. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser Galerie Fontwork dans Impress. Maintenant, vous utilisez tout la Galerie Fontwork pour écrire le nom de votre école dans la prochaine diapositive. Si vous rencontrez un problème, regardez à nouveau la vidéo et apprenez-en. Commençons maintenant à apprendre le menu affichage. Comme vous le savez, vous pouvez utiliser les options du menu affichage pour cacher ou afficher des options sur votre page d'Impress. Savez-vous ce qui se passe avec les vues normales, plans, trios de diapositives, pages de prospectus et pages de notes? Ces options vous permettent de modifier l'affichage de votre diapositive. Avec ces options, vous pouvez voir vos diapositives dans différentes vues. Pour revenir à l'affichage d'origine, utilisez l'option Normal. Regardons maintenant la vidéo et découvrons chacune de ces options une par une. Regardons cette vidéo pour connaître les différentes vues de diapositives. Les diapositives s'affichent en vue normale par défaut. Pour changer sa vue, cliquez sur le menu Affichage. Ensuite, cliquez sur le sous-menu Plan. Vous verrez toutes les diapositives dans la vue des petites vignettes. Puis, cliquez à nouveau sur l'option Affichage et cliquez sur Page de notes. La diapositive s'affiche avec deux boîtes de texte comme vous pouvez voir en vidéo. Vous pouvez taper dans ces boîtes. Ensuite, cliquez sur l'option Page de prospectus du menu Affichage. Cette vue contient d'une à six vignettes de diapositives afin que le public puisse suivre ce qui est présenté en s'en servir comme référence. Vous pouvez y voir la zone d'en-tête, la zone de date, la zone pied de page et la zone de numéro de page. Ensuite, cliquez sur l'option Trios de diapositives du menu Affichage qui présentera une vignette de chaque diapositive dans l'ordre, comme vous pouvez voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons travailler avec les différentes vues des diapositives dans Impress.
L'option suivante est celle du diaporama. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons le diaporama? Grâce à diaporama, vous pouvez regarder vos diapositives sur grand écran. Vous ne verrez alors que la diapositive sur laquelle vous avez travaillé. La commande de raccourci pour cela est F5. Pour sortir du diaporama, vous devez appuyer une fois sur la touche Échappe de votre clavier et votre diapositive apparaîtra alors dans l'affichage normal. Regardons maintenant la vidéo pour comprendre l'utilisation du diaporama. Apprenons comment nous pouvons utiliser l'option diaporama dans un document d'impresse. Tout d'abord, cliquez sur le menu Affichage. Ensuite, cliquez sur l'option Diaporama. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci F5. Vous verrez que les diapositives apparaissent sur grand écran comme un film d'animation. Les diapositives se présentent automatiquement l'une après l'autre, comme vous pouvez voir en vidéo. Alors, pour revenir à la page normale, appuyez sur la touche Échappe du clavier. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser l'option Diaporama dans un fichier d'impresse. L'option suivante est celle de la barre latérale. Savez-vous pourquoi nous utilisons la barre latérale? La barre latérale se trouve sur le côté droit du fichier d'impresse et est également connue comme la disposition des diapositives. De là, vous pouvez cacher ou afficher les diapositives. Regardons la vidéo et apprenons comment cacher ou afficher la barre latérale. Voyons cette vidéo pour apprendre comment afficher et masquer la barre latérale dans un document d'impresse. En ce moment, vous pouvez voir que la barre latérale s'affiche dans le document. Alors, pour le masquer, cliquez sur le menu Affichage. Vous voyez que l'option Barre latérale est déjà cochée. Alors, cliquez sur cette option pour le décocher. Voilà, la barre latérale est masquée dans le document, comme vous pouvez voir en vidéo. Pour réafficher la barre latérale, cliquez à nouveau sur le menu Affichage. Ensuite, cliquez sur l'option Barre latérale. Voilà, la barre latérale est réaffichée dans le document comme vous pouvez voir en vidéo. Si vous voulez le remasquer, vous pouvez aussi cliquer sur le bouton de 5 points, comme vous pouvez voir en vidéo. Voilà, la barre latérale est remasqué. Pour le réafficher, il faut cliquer à nouveau sur le même bouton de 5 points. Voilà, la barre latérale est réaffichée, comme vous pouvez voir en vidéo. Alors, ce sont les deux manières de masquer et afficher la barre latérale dans le document d'impresse. Vous pouvez aussi modifier la taille de barre latérale en utilisant la barre de défilement. Donc, c'est comme ça, nous pouvons afficher et masquer la barre latérale dans un fichier d'impresse.
L'option suivante est celle du volet des diapositives. Savez-vous pourquoi nous utilisons le volet des diapositives? Le volet des diapositives se trouve sur le côté gauche du fichier d'impresse. Vous pouvez y voir toutes vos diapositives. Vous pouvez le cacher ou l'afficher à partir d'ici. Regardons la vidéo et apprenons à utiliser le volet des diapositives. Voyons maintenant, à l'aide de cette vidéo, comment nous pouvons masquer et afficher la barre de diapositives dans un document d'impresse. Maintenant, vous pouvez voir que la barre de diapositives déjà s'affiche dans le document. Alors, pour le masquer, cliquez sur le menu Affichage. Vous voyez que l'option Volet diapo est déjà cochée. Alors, pour masquer la barre de diapositives, il faut décocher cette option. Voilà, la barre de diapositives est masquée, comme vous pouvez voir en vidéo. Pour réafficher la barre de diapositives, cliquez à nouveau sur le menu Affichage. Ensuite, cliquez sur l'option Volet diapo. Voilà, la barre de diapositives est réaffichée comme vous pouvez voir en vidéo. Vous pouvez aussi masquer cette barre en utilisant le bouton de 5 points comme montré en vidéo. Pour réafficher la barre de diapositives, cliquez à nouveau sur le bouton de 5 points. Voilà, la barre de diapositives est réaffichée. Alors, ce sont les deux manières de masquer et d'afficher la barre de diapositives dans un document d'impresse. Vous pouvez aussi augmenter la taille de la barre de diapositives de la manière montrée en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons afficher et masquer la barre de diapositives dans un fichier d'impresse. L'option suivante est celle de la barre d'outils. Savez-vous pourquoi nous utilisons la barre d'outils? La barre d'outils vous permet d'utiliser de nombreux outils importants comme le dessin, la barre de formatage, la ligne et le remplissage, etc. Vous pouvez les afficher ou les masquer à partir de cette barre. En utilisant la barre d'outils, vous pouvez rapidement effectuer votre travail. Vous avez tout appris à utiliser la barre d'outils dans les modules de Writer. Regardons la vidéo et voyons comment nous pouvons utiliser la barre d'outils. Apprenons comment nous pouvons masquer et afficher la barre d'outils dans un document d'impresse. Dans ce document, vous pouvez voir la barre d'outils standard, la barre de formatage, la barre de dessin et la barre d'état déjà s'affichent. Tout d'abord, cliquez sur le menu Affichage. Ensuite, amenez le pointeur sur le sous-menu Barre d'outils. Une boîte apparaîtra avec les différentes options. Ici, vous pouvez voir que l'option Dessin, Ligne et remplissage, Présentation et Standard sont déjà cochées. Alors, décochez l'option Dessin.
Voilà, la bague de dessin est masquée, comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, cliquez à nouveau sur le menu Affichage. Puis, amenez le pointeur sur le sous-menu Bague d'outils. Puis, décochez l'option Ligne et remplissage. Voilà, la barre de ligne et remplissage est masquée, comme vous pouvez voir en vidéo. Cliquez à nouveau sur le menu Affichage. Ensuite, amenez le pointeur sur le sous-menu Barre d'outils. Puis, décochez l'option Présentation. Voilà, la barre de présentation est masqué, comme vous pouvez voir en vidéo. Maintenant, vous ne pouvez plus voir les options de présentation. Cliquez à nouveau sur Affichage. Puis, amenez le pointeur sur la barre d'outils et décochez l'option Standard. Voilà, la barre de Standard est masquée, comme vous pouvez voir en vidéo. Maintenant, vous ne pouvez voir aucune barre d'outils dans le document. Alors, cliquez sur le menu Affichage, amenez le pointeur sur Barre d'outils et cliquez à nouveau sur l'option Dessin. Voilà, la barre de dessin s'affiche, comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, amenez le pointeur sur l'option Barre d'outils et décochez l'option Lecture de médias. Voilà, la barre de lecture de médias s'affiche dans le document. Cliquez à nouveau sur Affichage, amenez le pointeur sur Barre d'outils et décochez l'option Lecture en médias. La barre de lecture en médias est masquée. Puis, amenez le pointeur sur le sous-menu Barre d'outils et cliquez sur l'option Ligne et remplissage. La barre de ligne et remplissage est réaffichée comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, cliquez à nouveau sur Affichage, amenez le pointeur sur Barre d'outils et cliquez sur l'option Standard. Voilà, la barre d'outils standard est réaffichée dans le document, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez le faire glisser vers le bas en utilisant le bouton des 5 points comme indiqué dans la vidéo. Ensuite, cliquez sur Affichage, amenez le pointeur sur Barre d'outils et cliquez sur l'option Présentation. Maintenant, vous ne pouvez pas voir les options de présentation. Alors, pour le faire afficher, cliquez sur le bouton de 5 points et faites-le glisser vers le bas. Maintenant, vous pouvez voir les options de présentation. Vous pouvez aussi déplacer la barre de présentation à côté droit de la barre d'outils standard. Donc, c'est comme ça, nous pouvons afficher et masquer la barre d'outils dans le document d'impress. L'option suivante est la barre d'état. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons la barre d'état? Avec la barre d'état, vous pouvez savoir combien de diapositives il y a au total dans votre fichier d'impress. Vous pouvez également savoir combien vous avez zoomé sur la diapositive. Dans la barre d'état, vous pouvez masquer ou afficher ces options. Regardons la vidéo et apprenons comment masquer ou afficher ces options.
Voyons maintenant comment nous pouvons afficher et masquer la barre d'état dans un document d'impresse. Dans ce document, vous pouvez voir que la barre d'état déjà s'affiche. Alors, pour le masquer, cliquez sur le menu Affichage. Vous pouvez voir que l'option Barre d'état est déjà cochée. Alors, pour masquer la barre d'état, il faut le décocher. Cliquez ici une fois. Vous verrez que la barre d'état est masquée dans le document. Alors, pour réafficher la barre d'état, cliquez à nouveau sur le menu Affichage. Ensuite, cliquez à nouveau sur le sous-menu Barre d'état. Voilà, la barre d'état est réaffichée dans le document comme vous pouvez voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons afficher et masquer la barre d'état dans un document d'impresse. L'option suivante est celle de la grille. Savez-vous ce qui se passe avec la grille? Avec l'utilisation de la grille, vous pouvez obtenir des lignes sur vos diapositives qui ressemblent à du papier millimétré. Regardons la vidéo et voyons comment nous pouvons cacher ou afficher la grille. Apprenons comment afficher et masquer la grille dans un document d'impresse. Tout d'abord, cliquez sur le menu Affichage. Ensuite, amenez le pointeur sur le sous-menu Grille. Puis, cliquez sur l'option Afficher la grille. Vous verrez que la grille s'affichera dans la page. Pour masquer la grille, cliquez à nouveau sur Affichage et amenez le pointeur sur l'option Grille. Puis, cliquez à nouveau sur l'option Afficher la grille et la grille sera masquée comme vous pouvez voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons afficher et masquer la grille dans un fichier d'impresse. Ensuite, il y a l'option d'en-tête et de pied de page. Pouvez-vous nous dire ce qui se passe avec l'en-tête et le pied de page? Comme vous l'avez appris précédemment dans le module de Writer, l'en-tête vous permet d'insérer un titre en note de votre page. Avec le pied de page, vous pouvez insérer un numéro de page ou un résumé en bas de votre page. De même, sur la page impresse, l'en-tête peut contenir un titre, une date et une heure. Et le pied de page peut contenir le numéro de la diapositive et un résumé. Cependant, vous devez vous rappeler que dans le fichier d'impresse, en vue normale, vous ne pourrez voir que le pied de page. Pour voir l'en-tête, vous devrez utiliser la vue Note. Regardons la vidéo et apprenons comment nous pouvons utiliser l'en-tête et le pied de page. Regardons cette vidéo pour apprendre comment insérer l'en-tête et le pied de page dans un document d'impresse. Tout d'abord, cliquez sur le menu Affichage. Ensuite, cliquez sur l'option En-tête et pied de page. Une boîte d'en-tête et pied de page apparaîtra. Sous l'onglet Diapo, vous pouvez voir les différentes options. Ensuite, cliquez sur le bouton Radio. Variable. Puis, tapez Computer Shiksha dans la boîte de texte du pied de page.
Puis, cochez l'option numéro de diapo. Vous pouvez aussi voir son aperçu dans la boîte de perçu. L'option ne pas afficher sur la première diapo vous permet d'insérer l'en-tête et le pied de page sur chaque diapositive sauf la première diapositive. Ensuite, cliquez sur le bouton Appliquer partout. Vous voyez que le pied de page est inséré en bas de chaque diapositive avec la date, le texte Computer Shiksha et numéro de page. Ensuite, cliquez à nouveau sur le menu Affichage et cliquez sur En-tête et pied de page. Puis, cliquez sur l'onglet Notes et prospectus. Comme nous ne pouvons voir que l'en-tête dans cette vue. Ensuite, tapez Computer Shiksha en-tête dans la boîte de texte de l'en-tête. Puis, cochez l'option Date et heure si vous voulez insérer la date et l'heure dans une tête. Sinon, décochez cette option. Vous pouvez voir son aperçu dans la boîte de perçu. Puis, tapez Apprentissage sur ordinateur dans la boîte de texte du pied de page. Vous pouvez voir son aperçu. Puis, cochez l'option Numéro de page et cliquez sur le bouton Appliquer partout. Vous voyez que l'en-tête ne s'affiche pas dans les diapositives, mais si vous cliquez sur la vue Prospectus, vous pouvez le y voir comme montré en vidéo. Notez que nous ne pouvons pas voir l'en-tête dans la vue normale de diapositive. La vue note aussi vous permet de voir l'en-tête comme vous pouvez voir en vidéo. Vous pouvez aussi voir le texte tapé et le numéro de page sur le pied de page et lorsque vous passez à la vue normale, vous voyez que l'en-tête n'est plus visible sur les diapositives. Donc, c'est comme ça, nous pouvons insérer l'en-tête et le pied de page dans Writer. Vient ensuite l'option du Zoom. Savez-vous ce qui se passe avec Zoom? Avec l'utilisation de Zoom, vous pouvez augmenter ou diminuer la taille de votre diapositive. Voyons la vidéo et apprenons comment augmenter ou diminuer la taille de la diapositive. Apprenons comment zoomer les diapositives dans un fichier d'Impress. Si vous voulez faire un zoom avant et zoom arrière, vous pouvez soit utiliser le facteur de zoom situé sur la barre d'état de la page active, soit utiliser le menu Affichage. Maintenant, cliquez sur le menu Affichage. Puis, cliquez sur l'option Zoom. Une boîte de zoom et disposition des pages apparaîtra. Ici, vous pouvez changer les paramètres pour faire un zoom selon votre choix. Cliquez sur l'option 100% zoom, puis cliquez sur OK. Voilà, la page active est zoomée comme montré en vidéo. Si vous voulez dézoomer la page, cliquez sur le bouton de signe-moi du facteur de zoom
comme entrée en vidéo. Avec chaque clic, la page continuera à dézoomer comme vous pouvez voir. Cliquez à nouveau sur l'option Zoom du menu Affichage. Puis, modifiez le pourcentage de zoom selon votre choix de l'option Variable. Ensuite, cliquez sur OK. Voilà, la page est zoomée à 79% comme nous avons fait. Donc, c'est comme ça, nous pouvons zoomer et dézoomer les pages d'Impress. Commençons maintenant à découvrir les options du menu Insertion. Pourquoi utilise-t-on l'option Diapositive du menu Insertion? Avec la diapositive, vous pouvez faire apparaître une nouvelle diapositive. Maintenant, vous montrez tout comment faire apparaître une nouvelle diapositive à l'aide du menu Insertion. Si vous avez un doute, regardez la vidéo. Regardons cette vidéo pour apprendre comment insérer une diapositive dans un document d'Impress. Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de votre souris ou du pavé tactile et cliquez sur l'option Nouvelle diapo. Il y a une autre manière de créer une nouvelle diapositive. Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris ou du pavé tactile sur la vignette d'une diapositive dans la barre de diapositives et cliquez sur Nouvelle diapositive. Mais maintenant, on va utiliser une autre manière de créer une nouvelle diapositive. Pour le faire, cliquez sur le menu Insertion. Une boîte apparaîtra. Ensuite, cliquez sur le sous-menu Diapo. Voilà, une nouvelle diapositive est créée au-dessous de la première diapositive. Donc, c'est comme ça, nous pouvons insérer une nouvelle diapositive dans un document d'Impress. L'option suivante est la duplication de la diapositive. Pouvez-vous dire ce qui se passe avec l'option « Dupliquer » Avec l'aide de « Dupliquer », vous pouvez copier n'importe quelle diapositive et obtenir une diapositive identique à l'original. Regardons la vidéo et apprenons comment créer des diapositives dupliquées. Apprenons comment dupliquer une diapositive dans Impress. Tout d'abord, sélectionnez la diapositive que vous voulez dupliquer. Quand vous sélectionnez le diapositive dans la barre de diapositives, vous y verrez quatre options. Ici, vous devez cliquer sur l'option « Dupliquer diapositive ». Voilà, le diapositive est dupliqué, comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, sélectionnez une autre diapositive. Pour faire ce duplicata, cliquez sur le menu Insertion. Ensuite, cliquez sur le sous-menu Dupliquer la diapositive. Voilà, la diapositive est dupliquée maintenant, comme vous pouvez voir en vidéo. Vous pouvez voir tous les diapositives dans la barre de diapositives. Donc, c'est comme ça, nous pouvons dupliquer les diapositives dans un fichier d'Impress. L'option suivante est celle du numéro de page. Elle est similaire à celle de l'entête et du pied de page. En l'utilisant, vous pouvez insérer un titre, un en-tête, une date, une heure
est un numéro de diapositive sur votre diapositive. Regardons maintenant la vidéo et apprenons à utiliser le numéro de page. Apprenons comment supprimer le pied de page de la première diapositive dans un document d'impresse. Maintenant, vous pouvez voir que le pied de page est déjà inséré dans chaque page. Le date, le mot computer shiksha et le numéro de page est inséré. Alors, pour supprimer le pied de page de la première diapositive, tout d'abord, sélectionnez la première diapositive dans la barre de diapositives. Ensuite, cliquez sur le menu Insertion. Puis, cliquez sur l'option Numéro de page. Une boîte dont tête et pied de page apparaîtra. Sous l'onglet Diapo, vous verrez les différentes options. Vous voyez que l'option Date et heure, pied de page, numéro de diapo sont cochés. Maintenant, il faut cocher l'option Ne pas afficher sur la première diapo. Puis, cliquez sur le bouton Appliquer partout. Voilà, le pied de page est supprimé de la première diapositive, comme vous pouvez voir en vidéo. Mais, on peut le voir dans chaque diapositive, sauf la première diapositive. Donc, c'est comme ça, nous pouvons supprimer le pied de page de la première diapositive dans un document d'impresse. L'option suivante est celle de la date et de l'heure. Elle est similaire à celle de l'entête et du pied de page. Vous l'utilisez pour insérer sur votre diapositive la date et l'heure ou un titre. Vous pouvez également l'utiliser de la même manière que le numéro de page. Regardons la vidéo et apprenons à utiliser la date et l'heure. Apprenons comment nous pouvons insérer la date et l'heure à l'aide de menu Insertion. Dans cette vidéo, vous voyez que la date, le texte et le numéro de page sont déjà insérés. C'était inséré en utilisant l'option en tête et pied de page. Maintenant, apprenons une autre manière. Tout d'abord, cliquez sur le menu Insertion. Puis, cliquez sur l'option Date et heure. Ça vous donnera les mêmes options que celles de sous-menu en tête et pied de page, comme vous pouvez voir en vidéo. Une fois que vous avez défini les paramètres selon votre besoin, cliquez sur le bouton Appliquer partout. Maintenant, vous ne voyez que le pied de page comme la vue sélectionnée est normale et ton tête s'affiche dans la vue Notes et Prospectus. Donc, c'est comme ça, nous pouvons insérer la date et l'heure à l'aide du menu Insertion dans Impress. L'option suivante est celle des champs. Avec l'option champs, vous pouvez insérer la date, l'heure, le numéro de la diapositive, l'auteur, etc. Avec l'aide de la vidéo, vous apprendrez tout à utiliser l'option Champ. Apprenons comment utiliser les différents composants du sous-menu Champ. Tout d'abord, sélectionnez la diapositive vierge
dans la barre de diapositives. Ensuite, cliquez sur le menu Insertion. Puis, placez le curseur sur l'option Champ. Ensuite, cliquez sur Date. La date sera insérée dans la page comme vous pouvez voir en vidéo. Vous pouvez déplacer la boîte de date dans la page où vous voulez. Ensuite, cliquez à nouveau sur Insertion. Puis, placez le curseur sur Champ et cliquez sur l'option Heure. Voilà, l'heure est insérée dans la page. Ensuite, cliquez sur l'option Texte dans la barre de dessin et placez le curseur dans la page pour créer une boîte de texte. Dans cette boîte, tapez Numéro de page. Puis, cliquez sur le menu Insertion. Et amenez le curseur sur Champ. Ensuite, cliquez sur Numéro de page. Voilà, le numéro de page est inséré dans la boîte de numéro de page, comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, amenez à nouveau le curseur sur Champ et cliquez sur l'option Hauteur. Vous pouvez voir que rien n'est inséré ici car aucun auteur n'a été assigné lors de l'installation d'Empress dans l'ordinateur. Donc, c'est comme ça, nous pouvons insérer les différentes options du sous-menu Champ dans un fichier d'Empress. Le cours d'aujourd'hui se termine ici. Maintenant, vous allez tout enregistrer votre fichier Empress dans un nouvel emplacement et éteignez correctement votre ordinateur. Dans le cours d'aujourd'hui, vous avez appris à connaître les options du menu Affichage telles que Normal, Plan, Prise de diapositives, Diaporama, page de prospectus, page de notes, la barre latérale, le volet diapositive, la barre d'outils, la grille, l'entête et le pied de page de zoom. Vous avez également appris à connaître la galerie Fontwork et certaines des options du menu Insertion. Alors, bonne journée et à bientôt.